Et rebonjour à tous, et re-bienvenue dans notre aventure de Child of Light avec Aurora. J'ai du mal de le prononcer. Et comme vous voyez, la dernière fois, on avait fini la porte. Donc... Et je sais plus du tout où il faut aller. En tout cas, c'était pas par ici. Bizarre, c'est du gros morse-pierre. Regardez les Pokémon. Aïe! Je déteste quand il fait ça. Forcément, c'est pas bon signe. Là, c'est vraiment une chose de soutien en fait. Ah, je suis paralysé. Ah, zut. Apparemment, l'eau, ça a l'air de refaire quelque chose. À moins que ce soit les attaques magiques. Je suis pas sûr. Bon. Ça lui fera un niveau supplémentaire. Un arlequin? Comme c'est marrant. Et comme c'est charmant. Je pars rejoindre un cirque dans sa tournée. Et quelle force, c'est épatant. Vous pourriez porter une dame sans forcer. Je veux bien faire une tentative. Elle veut dire un essai. Bon, sinon... Alors, qu'est-ce qu'on va t'améliorer, toi? Ah ouais, ça fera pas mal d'avoir un peu plus de force. Ah, chouette, un coffre. Un cochon. Est-ce qu'il est mignon? C'est vrai que les cochons c'est mignon, mais quand même. Non, ici il n'y a rien. Ensuite, c'était pas par là.
Ouais. Heureusement qu'on n'a pas tout visité. Quand même fou ce qu'il y a à faire. Bon. En tout cas pour ceux qui regardent ma chaîne, je suis vraiment heureux que vous le fassiez en fait. Oui. Même si j'avoue que je fais les jeux pour moi, je le fais aussi pour vous. Aïe. Coffre. Je le disais bien. Confession numéro 7. La voilà. Pour ceux qui aiment lire. Apparemment, on peut pas aller plus loin. Bon, on a réussi à ouvrir un petit raccourci, c'est déjà ça. Le miroir se trouve, je le crains, dans ce temple là-bas au loin. Aussi où nous ne pouvons voler. Peut-être y a-t-il un passage dissimulé. Allons nous renseigner. Donc c'est là-bas qu'il faut qu'on aille et on sait pas comment y aller. Bien que voler serait une solution... Non, peut-être pas adéquate, ce serait trop long. Je crois pas que ce soit notre cochon. Ah, ils sont que deux cette fois. Direct. Magie. Oh, ça marche très bien contre cette créature. Là, ça va être rapide. On a vu le nombre d'ennemis comme il fallait et la bonne combinaison. Et je crois que c'est bon là. Et voilà, un niveau en plus. Deux niveaux en plus. Pas mal. Ça alors, un homme fait de roche. Est-il à nos ordres? Est-il bien dressé? Conduis-nous à la ville la plus proche. Je ne suis qu'un roc, il vous faudra marcher. Et hop, dans le mille. Non, j'arrive pas à passer par en dessous.
Et zut. On ne peut pas aller plus loin par ici. Merci. Ça c'est l'erreur en arrière, je suis encore trompé. Là, c'est pas facile à diriger. Falloir aller. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Pourquoi faut qu'il y ait du vent partout? En tout cas, ce moulin, c'est un vrai bazar. C'est pas ce que je chante. Monsieur, s'il vous plaît. Comment illuminer une marque cachée? Ah zut, je me suis fait avoir. J'ai pas fait attention. Bon là, on l'a dans l'os. Il sera pas interrompre lui. Je déteste ça. Ouh. Parfait. Excellent. Parfait. Alors. Ah oui, j'ai pas augmenté le sien apparemment. Là, toi, je voulais améliorer ça pour une meilleure frappe. Voilà. Et toi, ceci. Et enfin, notre golem. Ouais, un bonus de défense, ce sera pas mal. Arrêter une marque, c'était assez évident. J'imagine que c'était bien ce cochon. Attrape ce cochon. Voici notre fameux cochon volant.
Rejoignons sa maîtresse Capilly sur le champ. Alors, je crois qu'on va utiliser la carte pour aller directement au village Capilly. Comme ça, on va remplir cette mission vite fait, bien fait. Alors, je crois que c'était pas là qu'elle était. Ouais, c'était elle, je crois. Voyons voir. Ah, vous êtes de retour. Alors, parlez-moi sans détour. Votre Achille, nous l'avons trouvé. Et capturé sans tarder. Je vous remercie. Vous aurez votre récompense. Eh bien, où est ce fripon? Je ferai preuve d'indulgence. Mais il fera tout de même une bonne leçon. Enfin, il aura tenu une bonne leçon. Et voilà. Tout ça pour un cochon. De quoi améliorer quand les cochons voleront. Ouais, comme on dit. Ah, c'est maintenant qu'Achille est rentré. Des tonnes de menthe, je vais récolter. Je vois pas trop le rapport, mais bon, j'ai pas très envie de le savoir. Allez, on retourne au moulin à vin. J'espère qu'ils vont pas me mettre trop loin de là où j'étais. Parce que sinon, ce serait le bouquet. Évidemment, c'était à prévoir. Il ne reste plus qu'à aller tout droit. Heureusement qu'on a créé les raccourcis. Pour l'embuscade de tout à l'heure, j'en veux me venger. Et de gagner du niveau aussi, si c'est possible. Et un paralysé en plus, c'est le bout parfait. Elle est rapide, hein. Voilà, un arbre vivant. Je sais, ça fait pas très écho ce que je dis, mais bon. Les gamers me comprendront, enfin j'espère. Maintenant que ça c'est fait, en tout cas j'ai bien fait d'aller en bas. Et maintenant, on va sur le côté. Oh, génial. Qu'est-ce que c'est que ces créatures bizarres? Oh non, tu ne mourras pas. Je me demande si l'eau pourrait marcher sur eux aussi.
tente rien à rien. Ça sera plus interrompu par la suite. Non, elle résiste à l'eau. Que je monte la défense à celle-là. Énerve. Oh, super. Putain, mais il défoule sur elle ou quoi? Si le feu. Non. Et voilà. Il n'y a plus qu'à essayer les attaques physiques normales. Ah, lui en moins, c'est déjà ça. Apparemment, c'est ça qui le fait mal. Et voilà. Niveau 20, c'est déjà mieux. Maintenant, où est-ce qu'on va? En tout cas, on va se charger de celui-là. Ceux-là, oui, ils sont toujours nombreux aujourd'hui. Ah, elle avait paralysé. C'est parfait. Bon, ça a pas duré très longtemps, mais pas grave. Ah, là, il devrait être mort. Allez, un coffre en plus. J'adore les oculis, c'est joli.
par ici, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment. Oh, t'es dû te passer à côté. Je crois qu'on est à la fin, parce que ça, ça apparaît souvent à côté. Approchez, je vous en prie. Approchez, je vous vois. Hé, hey, qui va là? Approchez, que je vous vois. Ici, celle-là. Madame Capilli, d'aide, nous avons besoin. Le temple volant, comment y accéder? Cesse tes manières, je ne suis pas comme ces citadins. Ces idiots sont fous de menthe, il faut t'en méfier. D'où provient donc une telle fraîcheur? Il refuse de me le dire, mais j'ai mon idée. Merci du conseil, mais de partir, il est l'heure. Attends, je vois que t'as des oculis, je vais t'en donner. Tu cherches un moyen de te protéger. Voici une astuce qu'on divulgue rarement. Pour former une puissance oculi, il suffit d'en combiner. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début, là. À toi de trouver comment. Tu peux aussi assigner des oculis à tes amis. Je te conseille de partager. Maintenant, fillette, va-t'en d'ici. J'aime pas ta façon de m'observer, dit celle qui est borne. Ah bah au monde, on en a pas mal. On a l'air de s'arrêter par là. C'est qu'on arrive bientôt. En haut, la ville des Bolmus. À droite, la forêt m'a dit, c'est celle d'où on vient. Une araignée en feu. Nous, en tout cas, c'est l'eau qui prédomine là. Et voilà. Parfait. Bon, c'était rapide. Et presque tout le monde gagne un niveau. Alors, toi, qu'est-ce que je voulais t'améliorer? Vu qu'on arrive sur des monstres de feu. Parfait. Ah, il n'y a plus beaucoup de vent là. Bon, on ne pourra jamais nager dans une cascade, ça c'est un fait. Attends, c'est une porte? Et avec du rouge. J'adore le rouge. Et je crois que je suis tombé dans une vraie fournaise. C'est pas qu'une impression. Oh, d'accord, je vois le problème. Il faut vraiment être rapide.
Ouais, là, c'est chaud. Musique sympa, à mon avis, on a réussi. Et plein d'oculi pour nous. Non, pas par ici. Elle était rapide cette porte. Et pas beaucoup d'ennemis à affronter. Où est-ce qu'on a bien pu arriver? Je sais pas, mais c'était un trésor pas bien gardé. Sans lumière, il fait trop sombre pour creuser. C'est dans un bureau que j'aurais dû aller travailler. Ah ben dans ce cas, tu ne m'en voudras pas que je t'emprunte les coffres. Bon, ça va être un petit combat final qu'on va faire parce que là... Pour la peine, j'aimerais bien changer un peu. Et aura qui gagne le niveau 23. Et Rubella, niveau 24. Parfait. Eh ben, c'est excellent tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Oui, augmenter sa force. Toi, bon, je vais monter ta défense. Et toi, c'est la force que j'augmente. Et voilà. Et ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que l'histoire de cochon, ça va très bien comme ça, mais ça suffit amplement. Du coup, mettez un pouce bleu si vous avez aimé ou si vous aimez les cochons et abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. Laissez quelques commentaires, partagez la vidéo. Suivez-moi sur Facebook et Twitter. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Comme d'habitude, quoi.